Bonjour et bienvenue. Vite, buvons! J'ai pas d'eau. Non, c'est pas là. Alors, normalement, vous devriez avoir l'écran comme la dernière fois, avec des petites vidéos qui vous montrent ce que j'ai fait. Et à peu près, on va dire que c'est... Ouais, ça serait un épisode de farm, en gros. Un bon gros épisode de farm. Mais sûrement plus, parce que quand j'enregistre... En tout cas, bienvenue. Hein, je sais pas si j'ai dit bienvenue, enfin bref. On essaie d'aller vite, parce qu'on va partir d'ici. Quand je fais les épisodes, je discute et tout ça, donc je suis un peu plus lent. Donc je pense que ça aurait pris un peu plus de temps. En tout cas, on voit pas grand-chose qui fait... Il fait pas jour encore. Donc ce qu'on va faire, donc, il s'est passé une petite nuit, je crois, à peu près. On a eu le mal de l'enfermement quand je me suis réveillé, en fait, du dernier épisode. Mais si vous regardez les petites vidéos... Oh, regardez, il y a un glitch. Vous avez vu? On voit le... en haut à droite, là. Ouais, truc. Enfin bref. Si vous regardez dans les petites vidéos que je mets en ce moment, vous devriez voir, en fait, je suis resté à l'extérieur, donc j'ai pris beaucoup de bois avec du charbon et tout pour que ça booste le feu, hein. Et je suis allé donc crafter dans l'établi qui est en bas. Bon, j'ai pas la carte. Enfin, bref, quoique non, si je l'avais. Non, si, je sais pas. L'établi qui est en bas de Milton, du coup, c'est là, je crois. Et j'ai pu faire pas mal de choses, donc j'ai fait du fil, parce qu'on avait besoin de fil. Je suis pas allé faire l'arc, parce qu'en fait c'était 5 heures, je voulais y retourner un moment, mais je me suis dit, ah, 5 heures, ça fait chier, parce que ça va me couper en fait une journée. Donc il faudrait encore que je reste une journée de plus, puis que je dorme, etc., pour partir au bon moment en fait. Apparemment je voudrais bien qu'on voie quelque chose, attendez, peut-être se déplacer à l'envers. Ah, très bien. Parce que je voudrais faire du feu. Attendez. Jeter. Jeter. Pour que ça prenne les. Ok, très bien. Faut qu'on prenne des faitouts. On va être un peu lourd, donc on a deux cordes à prendre. Je voudrais me préparer pour me préparer un feu pour pouvoir chauffer des boissons en fait. Comme ça après on a le bonus et tout ça. Mais ouais, on a donc deux cordes à prendre. On va partir de Milton, on va aller à Mystery Lake, le lac Mystère. C'est très très sympa là-bas, c'est très facile. Et on va se préparer pour aller après forger. Bon, ça sera un peu plus tard, hein, dans quelques épisodes. Hein. Mais on va forger les têtes de flèches et tout ça, la hachette et tout. Donc on va se préparer et là on pourra se. Oh mon Dieu. On pourra se défendre et combattre les loups et chasser les loups. Parce que c'est pas vraiment fun de s'échapper tout le temps en fait. C'est vraiment pas fun. Donc ouais, on va faire tout ça. J'ai fait aussi des fûts de flèches, j'ai fait pas mal de fûts de flèches parce que je pouvais. Je pensais que de faire des fûts de flèches en fait allait augmenter le feu, mais en fait non. Ce qui augmente. Pardon, ce qui augmente le feu, rien à voir. Augmenter le. J'en ai de côté ou pas? Augmenter l'archerie, mais en fait pas du tout. L'archerie, c'est tout simplement crafter des flèches en fait. Donc ouais. Bouée dans 30 minutes. On peut partir dans 30 minutes à la limite. Il nous faudrait un faitout au moins. Par contre, on est un peu lourd. Alors, on va prendre deux érables. Donc ça, c'est pour faire des arcs. Donc un de chaque. On va prendre les plumes parce que les plumes c'est extrêmement relou à prendre. J'ai quasiment réparé tout mon équipement. On a deux boyaux séchés parce que je me suis dit on va autant prendre des boyaux séchés. Genre deux, c'est pas trop lourd. Comme ça on pourra faire notre arc en fait. Ça on va les laisser pour le moment. On va en prendre juste un peut-être. On a du charbon. Pour faire du feu, parce qu'il nous faudra du faire du feu. Des pierres à la limite, on n'en a pas besoin. On va prendre le marteau, parce que si jamais on n'en trouve pas, ça veut dire qu'on pourra pas aller à la forge, tout simplement. On pourra pas les forger. Donc ça, c'est une catastrophe.
Nécessaire de couture, pour l'instant on a que deux, donc on les prend avec nous. Les pierres, pareil, même s'ils sont abîmés ou tout ça, on les prend. Les fûts de flèche, on les prend. Les fusées, on les prend. Je vais aller vite, hein, parce qu'on va partir bientôt. On va prendre la lampe que j'ai augmentée. J'ai mis tout le kérosène que j'avais de côté. Pourquoi on prend la lampe? Parce qu'après on doit faire un... Ah oui, les allumettes. Merde, j'ai mis où les allumettes? Là. On va prendre ça. J'ai encore des allumettes dans le placard, on va les laisser de côté. Brûler dans 24 minutes. Chauffer, tu vois. On a deux cafés, ça va nous permettre de booster notre endurance si jamais on a besoin de reprendre des forces. On a le... Ouais, je dépasse les 30. On a le sac de couchage. On va manger à fond. On a de la nourriture par terre, on va manger. Il fait super froid. Ah, j'aurais pas dû manger tout ça, c'est pas grave. Parce qu'on est plein en calories en fait. Alors après, il y a aussi un truc, c'est que j'aurais pu attendre un peu plus longtemps pour qu'on ait... 8 minutes. Pour qu'on ait tout simplement... Pour qu'on ait le bonus en fait, je crois que c'est 72 heures. Au bout de 72 heures, on a un bonus de poids là. On aurait pu faire ça, mais bon, pas embêtant. Alors, fais tout, ramasser. On va en prendre un seul parce que du coup, de toute façon, on va être trop plein. Donc, si jamais on a besoin, on reviendra ici. Voilà, si jamais on a besoin, on reviendra ici. Quand on sera un peu plus équipé. On n'est pas en pleine forme, tiens, je viens de m'en rendre compte. Mais c'est pas grave, on fera une escale à une grotte pour se remettre. Mais on n'est pas en pleine forme. Okay. Je pense qu'on est bon. Je pense qu'on est bon, on peut partir. On va déposer de l'eau. Ouais, on déposera de l'eau. On a quelques tisanes sur nous, donc c'est pour ça qu'on est un peu lourd aussi. Ok, très bien. On va prendre ça, on va le boire. Ok, c'est bon. Let's go. C'est parti. C'est parti. La torche nous donne, allez, 1 degré, je crois, un truc comme ça. Donc c'est bien, plus le réchauffement. Le réchauffement, là, que je viens d'avoir avec ce qu'on vient de faire, là, avec la tisane, c'est un des buffs les plus puissants du jeu, j'ai envie de dire. Et dans un sens, je me demande si ça, c'est pas augmenté par un badge. Parce qu'il y a un badge qui dit « augmente la puissance des... le buff des effets de 25%. » Et c'est vrai que dans un sens, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Bon, après, c'est pas extrêmement dur à faire. Donc, à la limite, je préfère quand même avoir de l'endurance qui revient. Enfin, notre endurance qui revient 20% plus vite, c'est peut-être quand même mieux. Surtout que quand on va commencer à avoir des gros habits en peau et tout ça, l'endurance, on va en avoir très peu. On va genre avoir la moitié de la barre, je crois. Moitié du cercle. Bon, vu qu'il fait pas froid, enfin pour l'instant on n'a pas froid, on continue, on prend notre temps. Pas besoin de rusher. On s'économise le plus possible. Puis en plus, le temps est bon. Le temps est très bon. J'espère ne rien avoir oublié.
Je pourrais prendre... Je pourrais faire torche après torche, mais en fait, de toute façon, il y a une corde à monter. Et la deuxième corde, elle est très haute, du coup, donc ça servira à rien, la torche. Ça servirait strictement à rien. Je peux pas la lancer, puis la récupérer, vous voyez ce que je veux dire. On va s'arrêter juste une seconde au bâtiment là-bas, juste pour vérifier l'équipement que j'ai. Et faut qu'on se mette en dessous des 30%. Des 30 kilos, pardon. Et aussi, une bonne chose qu'on a, c'est les crampons improvisés, là. En théorie, on devrait pouvoir monter, descendre les cordes très vite. Donc ça, c'est vraiment, vraiment... Ça change le jeu, honnêtement. C'est vraiment, vraiment superbe. Ah, peut-être qu'on a même pas besoin de... De s'arrêter peut-être, on verra. Pour après, entre les cordes, je veux dire. Ok, on se réchauffe. Alors, fais voir. On est à 31-43. Donc j'ai ça. Ok, on a le couteau, le marteau, ça, la scie. J'ai laissé des trucs là-bas exprès. Hein. Je vais pas prendre deux scies et des trucs comme ça. On a le faitou, ça c'est 0,15. Ah, ok, on va manger ça. Ok, on est bien. On va boire. Maximum. Ok, les vêtements, on est nickel. Le soin, on est nickel. J'ai laissé tous les médicaments là-bas, parce qu'on n'en a pas besoin pour le moment. On a 3 charbons. 3 charbons. Peut-être laisser les charbons. Un charbon et l'eau. Parce que l'eau, on en a... Ouais, on est bon. Let's go. J'avoue que je dormirais bien une heure. Mais le problème, c'est que on peut avoir le temps qui se dégrade très vite. Donc, à la limite, je préfère dormir après la première corde, au moins. Comme ça, c'est fait. Alors, on a un temps de merde, en plus. Je pense même pas qu'on puisse dessiner la carte. Donc on fera tout de tête, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on regarde même pas, on y va, let's go. Ouais, ça va vite, ouais. Ça va très vite. Beaucoup plus vite que sans les crampons. Ouais. Nickel. Est-ce qu'on est... On est toujours à 30 kilos, donc elle n'est pas encore fatiguée. Ça va, on a des lapins devant. C'est toujours pas froid, donc ça va très bien. On est à 29-42, donc on prend strictement rien. Réchauffement, on fait voir. Est-ce qu'on a encore des trucs qui sont chauds? Merde. Non, strictement rien qui est chaud. Bon, c'est pas grave. C'est tentant hein, de prendre les champignons et tout ça, mais on peut pas. Enfin, je suis sûr qu'on peut genre prendre quelques, genre 2-3 trucs, 2-3 champignons à la limite, mais on est trop proche des 30 kilos. La seule chose qu'on va aller vérifier, c'est la grotte, voir s'il y a quelque chose. Alors, je sais plus où elle est, la grotte. Est-ce qu'elle est côté gauche, là-bas, ou un peu plus loin? Je crois qu'elle est un peu plus loin. Je crois que c'est ça, là-bas. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est cette corde. Oh ouais, c'est cette corde. Et on va arriver au lac mystère, du coup. Il y avait un truc aussi, j'étais en train de regarder les forums un peu pour voir... Comme d'habitude, en fait, je regarde les problèmes du jeu. Donc il y en a quand même pas mal, hein. Yes! C'est pour ça que je voulais regarder. Attends, elle a dit qu'on était plein ou elle a dit que... Non, c'est bon. Ah, si on veut faire du feu, on pourra faire là, mais on va continuer, on n'a pas trop froid. Après, on pourrait faire du feu juste pour avoir le bonus. Hein. Pour avoir le bonus, mais bon, ça va. Le temps d'allumer une torche, de faire le feu, ça peut foirer, etc. etc. Ça va être
Alors, par contre, elle risque de se fatiguer, là, pendant que je monte cette corde-là. J'avoue que ça peut être un problème. Ça devrait aller quand même. Let's go. Et du coup, j'ai regardé un peu. Et c'est vrai que, en fait, quand on y pense, il y a une chose qui est extrêmement mal faite dans le jeu. C'est les cartes, en fait. Elles n'ont pas de repères cardinaux. Elles n'ont pas de points cardinaux. C'est pour ça qu'on n'a pas de compas, par exemple, dans ce jeu. Parce que les cartes, en fait, elles ont des entrées et des sorties pour changer de région, évidemment. Mais elles ne suivent pas la logique. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez une sorte de... Genre, imaginez un triangle. Avec une pointe en haut, en plein milieu. Donc ça ferait genre 3 sorties, 3 rentrées, ok? Aux 3 points du triangle. Si vous passez par le haut, en fait, dans l'autre région, vous allez des fois vous retrouver à l'inverse. C'est très étrange, en fait, comment ils ont fait ça. Je sais pas pourquoi ils ont pas vraiment bien fait ce côté-là. Et c'est vrai que c'est embêtant, quoi, des fois. Parce que là, en fait, on va vraiment pas du tout se retrouver à Mystery... Enfin... dans la logique où on devrait être à Mystery Lake. Dans ma tête, en théorie, Mystery Lake, on devrait arriver en haut à gauche. Et je crois que si je dis pas de bêtises, là, on va arriver en bas à gauche. Je crois bien. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. C'est... Il faut se rappeler les régions, en fait. Il faut se rappeler où sont les sorties des régions. C'est un peu embêtant. J'aurais bien voulu que ça soit mieux fait, ça part. Mais bon. Je crois que c'est le fait de rajouter en fait des zones comme ça, des régions. Ils ont très très mal fait ça. Mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, c'est très embêtant pour les nouveaux joueurs surtout. Le fait de pas pouvoir... de pas vraiment pouvoir se repérer en fait grâce à la logique des régions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On est à 28, 27 le max. Par contre, la bonne chose, c'est qu'on n'est pas très loin d'où je veux m'installer. Vous savez, on va toujours prendre le même endroit pour Mystery Lake, pour le lac Mystère. C'est un des endroits les plus fiables. Donc on va faire ça. Ah, on n'a pas un méga temps, hein, honnêtement. Mais on a de la chance, c'est qu'il fait pas extrêmement froid. Il fait vraiment pas extrêmement froid. Est-ce que je peux avancer sans torche ou j'en craque une? Ouais, ça va, c'est pas... Je crois qu'elle est petite, cette grotte. Elle fait juste intermédiaire, en fait. J'espère ça pas trop sombre. Ouais, non, ça, il y a de la lumière partout. Là, y a rien. Ouais, ça va. Normalement, honnêtement, j'aurais allumé une torche parce qu'on a plein d'allumettes. C'est pas vraiment de problème, mais là, on n'a pas vraiment besoin. Attendez. Par là-bas. Normalement, on devrait bien distinguer quand même. On doit être sur la dernière ligne droite. J'aurais peut-être dû allumer une torche. Ah, je sais pas. Désolé. Non, c'est bon. On est bon, on est bon. Ah. Oh, elle a des vêtements
qu'on peut trouver, mais pas en intrus. Genre le haut, là, on peut l'avoir. Je crois bien. Elle a une sorte de chapka aussi. Qu'est-ce qu'on a? On a un feu de camp par terre. J'ai limite presque envie d'allumer une torche pour faire, faire en sorte de rien louper, en fait. Des objets par terre. Mais bon, je crois qu'on est presque à la fin. Non, ça va, on est à la fin. Voilà, très bien. On a pu se réchauffer. On pourrait même dormir une heure ici. Honnêtement. Mais bon, je sais pas si le temps va rester bien ou pas. Enfin, il est un peu pourri, mais il est pas froid au moins. Tada! Ah putain, oui, c'est vrai qu'on est juste à côté de cette cabane. Ah, cette cabane, j'avais complètement oublié. Bah tiens, on va pouvoir la fouiller. Yeah! Ça fait longtemps qu'on était pas venu là. Là, il y a des lapins, normalement, qui traînent. Enfin, peut-être qu'ils ont bougé, hein, les lapins, on sait pas. On va vérifier ça, puis après, on va aller au centre. Mais je vais essayer de vous montrer un peu avec la carte. Alors, je sais qu'on n'a pas... Ah, quoique, attendez. Ce qui fait assez beau pour que je puisse vous montrer. Pour que je puisse dessiner. Ouais. Ok. Très bien, ça a pris avantage bien nourri. Oh, c'est pour ça que j'ai eu... Oh yeah, ça tue. Bah vous voyez, on aurait pu... Enfin, ouais, c'était pas beaucoup. Hein. J'aurais pu attendre un peu plus et on aurait pu prendre plus sur nous. Mais c'est pas très grave. Yes, on a le bonus. Ah, c'est 5 kilos, c'est pas 10, pardon, c'est 5. Ah oui, c'est 5, et après, c'est 5 aussi pour le sac. Donc, c'est 10 kilos de plus. Et après, je crois que c'est 5 pour le sac spécial. Je sais plus, un truc comme ça. Ah, une lampe tempête, deuxième du coup. C'est quoi ça? C'est quoi ça derrière? Il y a un truc derrière? Ah, c'est une scie à métaux. J'ai cru que c'était une hache. Mais si c'est quoi ça? C'est nouveau. Waouh! Ta-ta-ta-ta! Un ouvre-boîte. Ah ben putain. Truc le plus rare au monde apparemment. Cuisine nature. Oh, ça c'est bien ça. On va pouvoir voir. Ok. Bon, on a bien fait d'avoir ce bonus là, parce que c'est vrai que là on trouve pas mal de trucs. Pas de fétou. C'est bête. Pas de fétou sur la cuisinière. Là on a un établi. On a deux établis, je crois, ici. Oh mon dieu, j'aime pas ça. Merde, 55. Waouh, trop bien. Oh non, c'est moins, c'est 52, je crois. Ok, cool. Jean trouvé un pull. On est... Jean trouvé un pull. C'est quoi ça? Pull en laine. En laine épais. Ah, niveau chaleur, c'est mieux, mais niveau protection... Ah non, non, niveau protection... Ah non, c'est ça qui est... C'est le Makino, là, qui est très bon. Ouais, nickel. Très bien. Le Makino qui est résistant. Bon, très bien. On peut dormir à la limite une heure.
histoire de se reposer un peu vite fait. Ok, nickel. Donc, pour vous montrer la carte, c'est marrant, on avait un... C'est marrant, on a des objets. Pourquoi on a ça qui s'affiche? C'est quoi ce bordel? Enfin bref. Donc nous, on vient de là. Donc la carte, elle est comme ça. Et en fait, de ce côté-là, on va dans une autre région. Et là, en fait, il y a... Muskegmorn est là. Si je crois bien. Muskegmorn est là. Milton est plus de ce côté-là, en fait, du coup. Donc, en théorie, si on prend une grotte, on devrait plus arriver... Enfin, elle est loin, mais c'est plus dans ce côté-là. On devrait arriver plus vers ici, cette zone-là, du lac Mystère. Alors que nous, du coup, on fait comme ça. Et hop, on arrive là. C'est un peu étrange. Un peu étrange. Donc, ouais, il faut surtout se rappeler des endroits, en fait, tout simplement. Des changements de zone. Mais bon, une fois que vous avez pris le coup, ça va. Tiens, on pourrait rester là et faire l'arc, par exemple. Mais bon, on va se balader un peu. Enfin non, on va pas se balader. On va d'abord aller s'installer. C'est ça le truc, c'est qu'on va d'abord s'installer. C'est bien, on a trouvé des bons objets là. Quoi, un nouveau vêtement, je sais plus quoi d'autre. On a le bonus des 72 heures. Alors le bonus des 72 heures, je sais pas si on va le garder. Parce que je peux toujours pas chasser. Et surtout, on peut toujours pas manger ce qu'on veut. Parce que vous avez vu que ma réserve de nourriture, elle est vite descendue. Hein. Quand j'ai commencé à tout manger. Hein. Genre en 2 jours, j'avais plus rien. Alors que... Ça a l'air d'être là-bas. Ok, ça marche. Là on a quoi? Là on a des cerfs, on va aller vers les cerfs et tout ça. Et les biches. Mais voilà, c'est que les réserves de nourriture en fait vont extrêmement vite si vous devez toujours rester en positif. Donc ouais. Ah merde. Ouais, je me casse. Je me casse. Non, oh, on a déjà un ours. Alors... On a bien fait de se reposer. Ok, très bien. On a bien fait de se reposer une petite heure là, parce que l'endurance c'est pas trop ça quoi, on va être très fatigué dans pas très longtemps. Surtout si on commence à sprinter. Donc il nous faut de l'eau, on n'a pas d'eau. Pas d'eau pure, après on a des thés, donc ça va. On peut toujours boire des thés pour le moment. Mais il va falloir qu'on s'installe et qu'on fasse nos réserves. De l'eau et de la nourriture et tout ça. En nourriture, on n'a rien. On n'a pas de la vraie nourriture. Après, il y a des endroits avec des lapins. Pas mal d'endroits avec des lapins. Donc c'est pas très compliqué. Mais le mieux c'est les cerfs, honnêtement, ici. C'est vraiment les cerfs. Donc c'est pour ça qu'un arc vite serait le bienvenu. Enfin, et des flèches surtout. Donc on va devoir aller récupérer pas mal de bouts de métal pour pouvoir créer des têtes de flèches. Et après la hachette aussi. Mais surtout des têtes de flèches. Il nous faut aussi des bois. Alors, parce que je crois que j'ai 24 à peu près fûts de flèche. C'est pas énorme. Surtout que moi, j'aime bien tirer à tort et à travers. Oh non, pas le vent.
Faire attention parce que des fois il y a des loups ici. C'est... Oh, t'as, c'est encore un... Encore un livre de cuisine. Ça fait deux. Ah oui, je l'ai fini au fait, le livre de cuisine aussi. Il me restait plus qu'une heure. Donc, on a eu un petit boost de... De points. Mais honnêtement, je sais... Le problème, c'est que je sais pas, genre... Est-ce que quand on fait un feu, ou alors qu'on cuit quelque chose, genre ça fait un point, peut-être ? Et les livres nous en donnent 10. Est-ce que ça marche comme ça? Ou alors est-ce que c'est tout simplement mieux de faire des feux et de cuire des choses directement au lieu de lire? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Ça, c'est des détails qu'on peut pas savoir vraiment. Enfin, il faudrait faire plein de tests. Ouais, faire plein de tests, ouais. Allez, on y est presque. Oh, regardez, il fait même pas froid. C'est pour ça que je voulais crafter notre équipement avant de partir. Genre la chapka et tout ça. Ça, c'est nickel, ça. C'est pour ça que le début est vachement bien. Donc si on arrive à se bouger un peu les miches pour un peu se balader, ça va être cool. Ça va être bien. Parce qu'après, c'est vite une catastrophe, en fait. Allez, on y est presque. On va s'installer tout ça tranquille. S'il nous reste un peu de temps, on va faire un peu le tour du propriétaire. Et surtout, enfin, on est fatigué. Hein, donc bon, c'est pas, on va pas faire grand chose, je vais être honnête. Et surtout, les prochains épisodes, enfin le prochain épisode, je pense. Déjà, j'arrive à prévoir en fait ce qu'on va faire. On va aller au barrage qui est là-bas. Et le barrage va être cool. Le barrage est vraiment sympa à faire. Et on a une scie à métaux. Donc on va en profiter pour récupérer plein de morceaux de métal. Il nous en faut absolument. Donc ça, c'est bien. Mystery Lake. Lake Mystère. Voilà, nickel. Je vais juste regarder un peu autour. Ok, là... Bon, on voit rien, on distingue pas de d'ours, rien. Enfin, pas de loup. Ok, très bien. Beaucoup de boîtes vides, j'ai remarqué. Il y a même des gens qui se plaignaient un peu. Que dans le jeu, apparemment, beaucoup de gens... Ils jouent même avec une difficulté, en fait, moins élevée que la nôtre. Et les gens ont quand même beaucoup, beaucoup de boîtes vides. Donc, ils se demandaient si c'était normal. Honnêtement, j'ai envie de dire non. Je suis sûr que c'est encore des problèmes. Mais bon, maintenant on est parti, on est parti. On va se débrouiller avec ce qu'il y a. Bienvenue à notre nouvel habitat. Bienvenue, bienvenue. Alors, on va mettre un peu d'ordre. Très bien. Alors, ça c'est un livre de chasse. C'est bête qu'on puisse pas les empiler. Il faut un mod pour ça. Ça, c'est quoi, ça? Shooting guide. C'est pour le fusil, c'est ça? Arme à feu, fusil. Ouais. Par contre, s'il y a le mod pour empiler les objets et tout ça, je risque de le prendre. Mais j'ai... Enfin, non. Je retire. Attendez, faut regarder aussi s'il n'y a pas des hameçons. Des fois, oui, voilà. Vous voyez, hameçons. Non, parce que de toute façon, il va avoir d'autres mises à jour après. Donc, le mod, il va sûrement claquer encore une fois. Parce que là, il doit sûrement pas marcher, les mods. Et ça va encore ressauter. Ça va être la merde et tout. Donc, on va pas mettre de mod sur une partie normale. Ce qu'on peut faire, c'est ça. Ok, très bien. Ça, pas vraiment besoin. Nickel. Nickel. I'm gonna need to rest soon. Je sais, tu vas devoir rester bientôt. Très bien.
Maintenant, fouille. Ouh, je vois un truc à droite. Yes. Nickel. Alors, on verra ça. On en a 3, je crois. Une qui est abîmée et après, on en a 2 à 100%, je crois bien. Ouh, ça c'est bien, ça nous fait du cuir. Ah oui, aussi, j'ai utilisé le cuir hein, qu'on avait pour nos bottes. Parce que les nouvelles bottes, en fait, qu'on va vouloir faire, c'est avec des peaux d'élan. Et les peaux d'élan, il va falloir les... Non, pas des peaux d'élan, peaux de cerf. Et du coup, bah, ça veut dire qu'on va devoir chasser. Et chasser, bah, c'est pas demain, quoi. C'est pas encore demain. Donc, du coup, j'ai préféré les réparer. Ça m'a coûté... ouais, ça coûte... c'est 1h30 à chaque fois. C'était un peu chaud, mais bon, on l'a fait quand même. Mais voilà. Parce que les bottes, c'est pas comme si... c'est pas des trucs qui vont courir les rues. En tout cas, elles sont très potables, celles qu'on a. Donc je me suis dit, ouais, on va les... on va les réparer. C'est pour ça qu'on a plus de cuir. Mais là, c'est bon. Là, on a trouvé un cuir en plus. Chaussettes. Il nous faudrait des chaussettes d'escalade. C'est les meilleures. C'est quoi ? Ah non, ça c'est juste un livre... Très bien. Oh yes. Très bien. Ah, ouh, sac de couchage. Ah bah c'est pas mal. On n'a pas des objets d'aimant, mais attendez. On n'a pas des objets d'aimant, mais ça va. Puis vous avez vu, zéro allumette. Hein. Donc heureux qu'on en avait. Mais ouais, zéro allumette. Hein. I wonder if I can drop any of this gear. Charbon. Est-ce qu'on a du bois? Pas beaucoup. Le charbon par terre aussi. Quoi que non, attendez. Ah si, si, ça nous fera... pour avoir. Quatre allumettes, ça c'est très bien. Jeter tout. Ah. J'essaye de placer les objets pour faire genre quelqu'un qui vit dessus, mais le jeu des fois me laisse pas vraiment faire ce que je veux. Donc ça me prend du temps. 0,38, on va te laisser là. Ben voilà. Il nous faut du bois, il nous faut de l'eau. Très très bien. Surrounded by snow and nothing to drink. Ça va, ça va. Voilà, c'est bon, t'es contente. Voilà. Voilà, chiante quoi. Tissu, on va en balancer 10 ici. C'est quand même 1 kilo. C'est quand même 1 kilo. Le cuir, on va le mettre aussi. Voilà. Je me rappelle que j'ai mis les choses là, parce que j'ai oublié honnêtement. Après, tout ce qui est craft. On remet dans le tiroir, mais le tiroir, il peut pas... Ouais, c'est que 5 kilos, ça. La merde.
flèche. Ok, très bien. Ah, on a 3. Et ouais, yeah, ça tue. Ça, honnêtement, maintenant, l'ouvre-boîte, on n'en a plus vraiment besoin. J'ai envie de dire. Marteau. Marteau, pas besoin de le porter sur nous. La scie, on va en prendre une seule. Le sac de couchage, on va en prendre... celui-là. Celui-là, on va le mettre là. Très bien. Ça, on va la virer aussi. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ça, c'est au cas où on en a vraiment besoin. On va la garder quand même. Là. La fusée. Bon, bah, je crois que déjà, je me suis bien libéré l'inventaire. C'est très bon. Très, très bon. On va garder ça de côté. Pour le moment. Mettre ça là. Bon, bah voilà. On a ça. Je vais juste regarder un peu à l'extérieur pour récupérer peut-être du bois ou des conneries comme ça. Mais on est fatigué. Hein. On est vraiment fatigué. En plus, on n'a pas froid, ça qui est bien. Pas froid, il fait beau. J'ai envie de dire... c'est super, quoi. Pour l'instant, c'est super. Faudrait aller à la tour aussi. Donc je sais pas en fait si on va directement aller au barrage ou d'abord on va un peu à droite à gauche. Je sais pas trop. Donc on va voir ça. Faut vérifier le train aussi. Ils viennent d'où? Ils viennent derrière. Muskegmorn, c'est là-bas. En théorie, là, il devrait avoir ou des cerfs ou des lapins. Donc ça, c'est bien. On va prendre des morceaux de bois. Après, on peut peut-être... peut-être dormir une partie et sortir après. Pour continuer un peu l'épisode. Peut-être faire ça. Le problème c'est que face enfin, non on n'a pas de problème en fait. Honnêtement. Faut juste avoir une étape d'avance. Genre par exemple là on a peu de nourriture et peu d'eau. C'est un loup ça qui bouge là en plein milieu. Ça bouge. Ouais c'est un loup ça, ok, il y a des loups là-bas. Ça marche. Enfin, il y a toujours des loups, honnêtement. Ouais, je pense que vers les wagons, il y a des loups. On peut, peut-être qu'on passera par autre part. On verra. Ouais, ouais, il y a des loups. Ah, on n'a pas de pierre sur nous. Il y a des lapins. Bien. Si je peux en attraper un, ce serait bien. Mais bon. Très bien. Allez, on rentre. Voilà, nickel. Ça, c'est déjà ça. C'est déjà ça de fait. Eh bien.
Les calories, on va devoir passer en économie. Donc, s'affamer la journée, remanger la nuit pour dormir, etc., etc. Mais ça va, ça se passe bien. Le coup d'avoir les crampons, je pense que ça change pas mal de choses quand même. Point de vue énergie et temps gagné et tout ça. C'est vraiment cool. Ah, mais il faut que je me fasse une liste des objets que je veux récupérer à tout prix. Genre, je sais que j'ai le sac spécial à prendre. Ça pourrait être pas mal. Les crampons après normaux, enfin uniques là, je sais pas si... Ah bah tiens, il y a un loup qui s'approche, c'est embêtant ça. Je sais pas s'ils sont mieux que ceux-là qu'on a créés. Je sais pas s'il y a une différence en fait de qualité, peut-être. Il paraît qu'il y a des objets uniques dans le jeu. Il paraît que genre, il y a une lanterne spéciale avec d'autres caractéristiques et tout ça. Donc je sais pas trop comment ça fonctionne. Ah oui, on a une grotte là-haut. Une grotte qui est vachement bien. Elle est toute proche de la maison là. Elle est bien chauffée. Et on peut dormir là-bas si jamais on veut... si on a des problèmes pour... comment ça s'appelle? L'insomnie. Enfin pas l'insomnie, le fait d'avoir le mal de l'enfermement là. Bah, je crois que... Ouais, on va dormir et on va arrêter l'épisode. Ça va faire... 40... On a dépassé les 45 minutes. Et on est épuisé. Ah, c'est pas ça que je vais faire. Je dois juste faire ça. Boyau. On fait quoi? On fait tout. Okay, je sais qu'elle est fatiguée, mais... Ouh, yes, niveau 2. Vous avez vu l'extérieur comme il est plus clair que l'intérieur? Ça, j'aurais tellement voulu qu'ils améliorent ça. Aïe 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 aïe. C'était mon plus gros. Ma plus grosse demande, mais bon. Ils l'ont pas fait. Mais ouais, ça va être la fin de notre épisode. Le prochain épisode, on va continuer à vadrouiller ici. Attendez les vêtements. Okay. Vadrouiller ici et après, alors peut-être que ça sera pas le prochain épisode du coup, mais on fera le barrage à un moment ou à un autre. Un peu de l'eau, on va faire ça pour l'instant. Il faut qu'on fasse de l'eau aussi, il faut qu'on fasse beaucoup beaucoup d'eau parce que là notre réserve en liquide en fait elle est très basse. Elle est très très basse. Hop. Nickel. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.